Bonjour, Nicolas Picot, directeur du golf de Tour-André. Bienvenue, on va découvrir le parcours ensemble aujourd'hui, assez matinal. On a le soleil de face, donc on est sur le trou numéro 1, qui est un trou assez ouvert pour débuter le parcours. Il ne faut pas hésiter à jouer une mise en jeu assez longue. Vous ne pouvez pas trop perdre de balles, puisque de toute façon, que ce soit à gauche ou à droite, vous avez une zone à pénalité. Donc même si vous prenez un point de pénalité, vous aurez avancé et vous rapprochez du green. Donc là, j'ai fait une mise en jeu qui était au milieu, donc faut quand même faire attention, vous voyez, au bunker, mais c'est pas forcément catastrophique si vous êtes dedans. Et il nous reste 135 mètres pour le green. À bien prendre en compte que cette deuxième partie de fairway est en montée, donc n'hésitez pas à rajouter quelques mètres, quelques distances pour que la balle aille bien jusqu'au green. Au green, pas de danger, des bunkers sont plutôt derrière, donc voilà, jouez la distance du drapeau et généralement il n'y a pas de problème. Donc là, on est sur le green. Pas de souci sur ce green. On est sur un green, vous allez voir, par rapport à l'ensemble du parcours, qui est quand même assez plat. Et il est toujours un petit peu en descente. On respecte la descente du fairway, donc toujours en descente vers le départ. Donc ayez bien ça en conscience, que la balle va forcément rouler un petit peu plus vite quand vous allez putter vers le départ. Un par pour débuter le parcours, la journée s'annonce bien. On va sur le trou numéro 2, on se retrouve tout de suite pour ce petit par 3.